Le cardinal rouge, Cardinelli cardinelli, est un oiseau de taille moyenne à grande, originaire d'Amérique du Nord. Voici une description détaillée de cet oiseau emblématique. Le cardinal rouge est facilement reconnaissable grâce à son plumage vif et éclatant. Les mâles sont particulièrement frappants, avec leur tête, leur poitrine et leur queue d'un rouge vif et intense. Ils ont également un bec épais et conique, de couleur rouge-orangé, ainsi qu'une petite crête sur le sommet de leur tête. Les femelles ont un plumage plus terne, principalement brun clair avec des touches de rouge sur les ailes, la queue et le bec. Les cardinaux rouges mesurent environ 20 à 23 cm de longueur, avec une envergure d'aile d'environ 25 à 31 cm. Les mâles sont légèrement plus grands que les femelles. Le chant du cardinal rouge est l'un de ses traits les plus reconnaissables. Le mâle chante un chant mélodieux et flûté, composé de notes claires et sifflantes, souvent décrites comme « wachee, wachee, chee 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 » ou « birdie, birdie, birdie ». Les cardinaux chantent généralement pour marquer leur territoire et attirer les femelles. Les cardinaux rouges se trouvent principalement dans les régions boisées, les lisières de forêt, les zones marécageuses et les buissons d'Amérique du Nord. On les trouve également dans les jardins, les parcs et les zones résidentielles, tant qu'il y a suffisamment de végétation dense pour se percher et se cacher. Comportement, les cardinaux rouges sont des oiseaux territoriaux et monogames. Les couples restent ensemble toute l'année et défendent leur territoire contre les intrus. Ils sont principalement sédentaires, bien qu'il puisse y avoir des mouvements locaux en fonction de la disponibilité de la nourriture. Dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel est très marqué chez les cardinaux rouges. Les mâles ont un plumage rouge vif et éclatant, tandis que les femelles sont principalement brunes avec des touches de rouge. Les femelles ont des plumes rouges sur les ailes, la queue et le bec, ce qui les distingue des autres oiseaux bruns. Nidification. Les cardinaux rouges construisent des nids en forme de coupe dans des buissons ou des arbres bas,
généralement à une hauteur de 1 à 3 mètres du sol. Les nids sont fabriqués à partir de brindilles, d'herbes, d'écorces et de matériaux végétaux et sont doublés de fibres végétales plus douces. La femelle dépose généralement de 2 à 4 œufs bleus verdâtres tachetés de brun, qu'elle incube pendant environ 12 à 13 jours. Les deux parents participent à l'incubation et à l'alimentation des oisillons. Alimentation. Les cardinaux rouges sont des oiseaux granivores, se nourrissant principalement de graines, de fruits et de baies. Leur bec puissant leur permet également de casser des graines dures. Ils complètent leur alimentation avec des insectes, des araignées et d'autres petits invertébrés, en particulier pendant la saison de reproduction pour nourrir leurs oisillons. Longévité. Les cardinaux rouges ont une espérance de vie relativement longue pour un oiseau chanteur, pouvant atteindre jusqu'à 15 ans dans la nature. Relation avec les humains. En raison de leur beauté et de leur chant agréable, les cardinaux rouges sont souvent appréciés et attirés dans les jardins et les espaces aménagés par les humains. Beaucoup de gens aiment les nourrir avec des graines et des mangeoires spéciales pour oiseaux, ce qui leur permet de les observer de près. Migration, les cardinaux rouges sont principalement résidents, ce qui signifie qu'ils vivent toute l'année dans leur aire de répartition. Cependant, certaines populations du nord migrent vers le sud lors des hivers plus rigoureux. Les migrations sont généralement de courtes distances et les cardinaux rouges migrent en petits groupes familiaux. Communication visuelle. Outre leur chant mélodieux, les cardinaux rouges utilisent également des signaux visuels pour communiquer. Les mâles arborent parfois une posture agressive en dressant leur crête et en gonflant leurs plumes pour défendre leur territoire contre les rivaux potentiels. Ils utilisent également des mouvements de la tête, des ailes ou de la queue pour communiquer avec d'autres cardinaux. Prédateurs. Les principaux prédateurs des cardinaux rouges sont les oiseaux de proie tels que les faucons et les éperviers. Les chats domestiques, les serpents et les écureuils peuvent également représenter une menace pour les œufs et les oisillons dans le nid. Pour se protéger, les cardinaux rouges sont vigilants et émettent des cris d'alarme pour avertir les autres oiseaux de la présence de prédateurs. Symbolisme. Le cardinal rouge est devenu un symbole populaire dans la culture populaire et les traditions. Dans certaines cultures, on dit que la présence d'un cardinal rouge est un signe de bonne fortune ou un message de la part d'un être cher décédé.
Sa beauté éclatante et sa présence vivante en font un symbole apprécié dans l'art, la littérature et la décoration. Les cardinaux rouges sont des oiseaux emblématiques de l'Amérique du Nord, appréciés pour leur beauté et leur chant mélodieux. Leur présence ajoute de la couleur et de l'animation à l'environnement naturel et leur comportement territorial et leur chant caractéristique en font un sujet d'intérêt pour les observateurs d'oiseaux de tous niveaux.